Jean de Tannes et vous autres beaux sires et gentes dames pour célébrer, en 2024, le 700e anniversaire de mon mariage avec mon futur époux, Albert II de Habsbourg, duc d'Autriche. Je vous présenterai sur ce parcours bucolique, au pied du vignoble du Ringen, notre histoire commune et les joyaux inestimables du patrimoine de Haute-Alsace. Partez à la découverte des plus élégants sanctuaires, somptueuses sculptures, éclatants vitraux, mystérieux blasons. Ils appartiennent depuis des temps ancestraux au fabuleux héritage des Habsbourg-Ferrette. C'est notre histoire, c'est notre patrimoine. Retrouvez-moi à présent devant l'abbatiale d'Ottmarsheim. Vous pourrez ensuite contempler son élégante élévation intérieure. Heureuse de vous retrouver sur cette quatrième station. C'est bien ici, dans le Jura alsacien, que débute l'histoire de ma famille, celle des comtes de Ferrette. Ils fondèrent la plus puissante des seigneuries de Haute-Alsace au Moyen-Âge. Voici leur château, mentionné pour la première fois en 1105. Frédéric Ier s'y installa vers 1125. Il prit le nom du village voisin, qu'on appelle depuis Vieux Ferrette. Et voici sur le panneau voisin, le comté de Ferrette. Mes aïeux étaient d'abord établis à Ferrette, et pour protéger le péage qu'ils avaient installé à l'entrée de la vallée de la Thur, ils firent édifier le château de l'Angelbourg qui domine le goulet à Tannes. En cheminant plus loin, vous allez assister à un événement d'une portée considérable. Un événement dynastique majeur s'est déroulé il y a près de 700 ans et va marquer le destin de l'Alsace et bientôt de toute l'Europe. En voici l'origine. À la mort de notre père, Ulrich de Ferrette, ma sœur Ursule et moi, selon la loi salique, ne pouvions hériter des terres familiales. Mais à quelques jours seulement après les funérailles de notre père, les tractations aboutirent à mon mariage avec Albert II, le sage, de la maison des Habsbourg. Ce puissant prince entra en possession de mes terres et de ce fait, le comté de Ferrette et la seigneurie de Tannes passèrent à la maison d'Autriche pour 3 siècles, de 1324 à 1648. Connaissez-vous l'apôtre du Sungo ? On m'a souvent parlé d'un moine Morandus installé à Altkirch en 1105 par Frédéric Ier de Ferrette. Il y a fondé un prieuré bénédictin et il a parcouru le Sungo afin d'y prêcher la parole divine. Il sera canonisé en 1181 à la demande de l'évêque de Bâle. Mais ce qui m'a le plus surprise, c'est le périple effectué par la relique du saint. Vous en saurez davantage au cours de notre prochaine rencontre au pied du vignoble. Les comtes de Ferrette ont conservé une grande dévotion à Saint-Maurent et le considéraient comme faisant partie de leur famille. Cette tradition a perduré bien après mon mariage avec Albert II de Habsbourg, si bien que Rodolphe IV, notre fils aîné, préleva à Altkirch en 1356 le crâne du Saint-Homme. Il l'emporta à Vienne afin de doter la nouvelle cathédrale de cette relique chère à ma famille. En 1428, Frédéric IV, un neveu de Rodolphe, rendit la moitié du crâne au prieuré d'Alkirch dans un magnifique reliquaire, toujours visible en l'église Saint-Maurent, l'actuelle chapelle de l'hôpital d'Alkirch. C'est ainsi qu'existent 2 reliquaires de Saint-Maurent, avec la moitié du crâne de l'apôtre du Sungo, l'un à Alkirch et l'autre à Vienne. Une statue de Saint-Maurent est présente à Vienne, ainsi qu'une autre au sommet du pilier des anges de la collégiale de Tannes. Nous nous retrouvons à présent en face d'un joyau roman du Sungo, l'église de Fellbach. En 1144, elle fut initialement conçue par mon aïeul, Frédéric Ier de Ferrette, comme lieu de sépulture pour lui-même et sa famille. Mais Frédéric fut inhumé avec son épouse, Stéphanie de Vaudémont-Eguisheim, en l'abbaye de Lollenberg à Reining. Il existe néanmoins à Fellbach une pierre tombale de l'un des 6 comtes de Ferrette. On y retrouve les 2 poissons du blason des Ferrettes, mais contrairement à leur position traditionnelle, à Fellbach, ils ne sont pas adossés, mais se font face.
Situé sur l'une des routes menant au pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, l'édifice présente des similitudes avec des églises romanes de Bourgogne de style clunisien. À quelques pas de ce lieu, je vous présenterai Bergheim. Nous arrivons à Bergheim. En 1308, le frère aîné de mon époux Albert devint à son tour duc d'Autriche et 5 années plus tard, seigneur de la ville de Bergheim. Pour remercier leur nouveau seigneur, les habitants de Bergheim décidèrent de planter un jeune tilleul. De nos jours, ce tilleul planté au printemps de l'année 1313 se dresse depuis 7 siècles près de la porte haute de la ville. Mais revenons à Thann. Juste à côté de là, sur ce pittoresque Langenweg, car c'est dans la cité de Thiébault que mes descendants vont bâtir, suite à mon mariage en 1324, l'un des sanctuaires les plus remarquables d'Europe. Chers visiteurs de la collégiale Saint-Thiébault, en contemplant ce joyau raffiné de l'art gothique rhénan, vous découvrirez plus loin sur les bas-reliefs, les statues, les clés de voûte, quantité de blasons qui rendent hommage à ma famille. Portez à présent le regard sur les innombrables armoiries de l'Autriche, tel ce premier blason aux deux lions, le plus ancien de la collégiale. Il est installé au fond de l'actuelle nef sud. Avec mon époux, j'ai poursuivi les travaux de la nef sud qui, jusqu'en 1389, resta un monument religieux dévolu à ma famille avant de devenir une église paroissiale. Un autre blason, installé bien plus tard sur l'une des clés de voûte du bas-côté nord, raconte une autre histoire de l'Autriche, plus ancienne. Remarquez l'aigle rouge, c'est le Tyrol. Observez ensuite le blason de l'ancienne Autriche avec ses 5 aigles dorés, et enfin le 3e avec les couleurs rouge, blanc, rouge. Le plus étonnant est le fait que cette histoire strictement autrichienne soit ainsi représentée en la collégiale de Thann. En cheminant plus loin ou en visitant ce sanctuaire, vous constaterez que d'autres blasons vont à leur tour nous éclairer sur l'histoire de l'Europe, du Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance. Sur ce panneau, vous aurez un condensé de notre histoire et de celle des princesses parmi les plus illustres de la dynastie Habsbourg-Ferrette. Bien avant cela, à Vienne, mon fils Rodolphe érigeait l'église Saint-Étienne en cathédrale, tout en restant très attaché à ses racines alsaciennes, comme vous pourrez le constater durant notre prochaine étape. Bienvenue à vous, beaux sires et gentes dames. Je me présente, je suis Rodolphe IV, le fils aîné de Jeanne et d'Albert. En Autriche, on me nomme Der Stifter, le fondateur. Vous me reconnaîtrez sur 3 statues dressées sur les flancs de la cathédrale de Vienne. Chacune me représente avec le blason aux 2 poissons du comté de Ferrette, celui de ma mère Jeanne. C'est bien le signe qui témoigne de la profondeur des liens qui vont se forger entre le Sungo et l'Autriche, et, comme vous le verrez plus loin, de l'attachement inflexible des Habsbourg à la collégiale de Thann. À mon tour, beau sire et gente dame, de vous souhaiter la bienvenue. Je me présente, Catherine de Bourgogne, fille de Marguerite de Flandre et de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, petite fille du roi de France Jean le Bon. Par mon mariage, en l'an de grâce 1393, avec Léopold IV de Habsbourg, je devins régente du Landgraviat de Haute-Alsace, ce qui me permit d'octroyer de nouvelles franchises à Belfort, Thann, Ferrette, Altkirch, Masvaux, Ensisheim. Au cours de votre prochaine étape, vous en saurez plus sur le mécénat que j'ai entretenu à Thann et Vieux-Thann. À Thann et à Vieux-Thann, j'ai pratiqué un large mécénat. Dans le cœur de la collégiale de Thann, le résultat obtenu par nos artisans est admirable. En visitant le sanctuaire de Saint-Thiébault, laissez-vous éblouir par sa sublime verrière. Vous découvrirez dans la chapelle de la Croix mon blason, entouré par sa couronne de feuilles de vigne, signe de mon attachement à ce prestigieux vignoble qui escalade devant vous les coteaux du Rhingen. Plus loin, en cheminant jusqu'à Vieux-Thann, vous retrouverez également mon blason sur le vitrail de l'église Saint-Dominique. Vous allez à présent entrer plus loin dans le temps. C'est pourquoi je passe le relais à l'un de mes neveux, lié à des princesses de très haut rang
que vous ne manquerez pas d'honorer. Bienvenue à vous, beau sire et gente dame. Je me présente Sigismond, duc d'Autriche et comte du Tyrol. Voilà pourquoi vous pourrez découvrir à plusieurs endroits le blason du Tyrol à Thann. Mais sachez également que l'une des clés de voûte armoriées de la collégiale indique le blason de l'Autriche entouré de mes trois épouses. Vous y distinguerez les fleurs de lys de la maison de France, flanquées d'une couronne signifiant que ma première épouse Radegonde était fille aînée du roi de France Charles VII. Observez ensuite le blason de ma deuxième épouse, Éléonore Stuart, fille d'un roi d'Écosse, un lion rouge cabré. Apprenez que ma très chère Éléonore, une princesse lettrée et cultivée, participait activement à la gestion de l'Autriche antérieure. On la rencontrait autrefois à la régence d'Ensisheim, mais également à Thann, où elle avait convoqué un conseil de régence au château de Lengelbourg en 1467. Hélas, mon épouse Eleanor Stuart décéda en mettant au monde son unique enfant, Eleanor. Ce n'est pas la seule princesse représentée en la collégiale. À quelques enjambées sur ce Rangenweg, vous allez découvrir une dernière clé de voûte absolument unique où sont regroupés les blasons de trois illustres dignitaires, Maximilien de Habsbourg et ses deux épouses, Anne de Bretagne et Marie de Bourgogne. Je me présente, Maximilien de Habsbourg, héritier de Frédéric III, empereur du Saint-Empire romain germanique. En observant la voûte du bas-côté nord de la collégiale, vous découvrirez mes armoiries ainsi que celles de Marie de Bourgogne et d'Anne de Bretagne. En voici leur étonnant destin. Ma première épouse, Marie de Bourgogne, fille unique de Charles le Téméraire, était à la tête du duché de Bourgogne et des Pays-Bas bourguignons. Hélas, au printemps 1482, elle décède accidentellement. Les rivalités avec le roi de France, Charles VIII, sont à l'origine de mon mariage par procuration avec Anne de Bretagne en l'an 1491, mariage finalement annulé par le pape. L'année suivante, cette jeune princesse épousera le roi de France. C'est ainsi que cette clé de voûte rappelle aux visiteurs que les alliances matrimoniales sont souvent plus importantes que les conquêtes militaires. J'ai tenu par ailleurs à étendre nos institutions autrichiennes sur tout le territoire impérial et j'ai accordé à la ville de Thann son blason actuel en 1498. Et plus loin, à Thann, à Fribourg-en-Brisgau ou à Ensisheim, la saga des Habsbourg est également magnifiquement illustrée. Je vous retrouve devant la maison des marchands, le Kaufhaus de Fribourg, véritable livre d'histoire, avec ses nombreux blasons et les quatre statues, où je suis représenté avec mon fils Philippe le Beau, roi d'Espagne, et mes deux petits-fils Charles Quint et Ferdinand Ier. Vous noterez que nous sommes tous les quatre porteurs du collier de la toison d'or créé en 1430 par le duc de Bourgogne, Philippe le Bon. En l'honneur de ma seconde épouse, Bianca Maria Sforza, j'ai fait construire sur la façade de la Hofburg d'Innsbruck un balcon recouvert de tuiles d'or. Il s'agit du Goldene Darl. On y découvre plusieurs blasons semblables à ceux de Thann. En visite à Ensisheim, capitale de la régence de l'Autriche antérieure, j'ai assisté à un phénomène étrange annonciateur des temps nouveaux. Le matin du 7 novembre 1492, une météorite est entrée à grande vitesse dans l'atmosphère terrestre. Elle a laissé derrière elle une vive traînée lumineuse, avant de s'écraser dans un champ de blé à proximité de la ville d'Ensisheim. C'est ici, durant la période de la Renaissance, que s'achève une partie de notre histoire, de notre passé thannois et alsacien lié aux Habsbourg et à l'Autriche jusqu'en 1648, date qui marquera la mainmise de la royauté française sur ce territoire.